C'est très important pour moi de donner la parole à Yannick et à Stéphane dans ce livre. Et voilà. C'est très important parce qu'ils ont fait une magnifique ascension et que pour une raison qu'on va peut-être pas, sur laquelle on ne reviendra pas, peut-être pas trop, on est beaucoup venu les voir pour parler d'un autre sujet qui s'est passé en 2013, mais assez peu pour raconter leur ascension. Et c'était super important pour moi qu'ils puissent raconter et qu'on puisse avoir un récit le plus complet possible de ce qu'ils ont vécu. Et moi, j'avais une question, c'est est-ce que ça fait maintenant 4 ans, cette ascension ? Ouais, est-ce que ton regard a changé ? Est-ce que tu vois différemment ce que vous avez vécu ? Je sais pas. Pour moi, c'est... Je sais pas, j'arrive pas à voir, prendre... Je pense que j'en prendrai jamais du recul, en fait, sur cette ascension. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, voilà. Comme un bébé qu'on a et qu'on garde toujours. Qui grandit, mais qui finalement reste notre bébé. Je sais pas, c'est un coup de chance. En même temps, j'y suis allé 3 fois, c'est un coup de chance qu'on ait pu réussir. Enfin, un coup de chance, évidemment, on l'a provoqué, la chance, on s'entraînait pas en 20 ans. Les paramètres de réussite pour ces ascensions, c'est tellement petit. Maintenant, on veut du succès, des choses qui marchent, c'est compliqué. Mais est-ce que ça a changé depuis 4 ans? Moi, j'ai changé, bien sûr, comme tout le monde. Hein. 4 ans, on évolue, on a le temps de faire plein de choses. Je parle avec mon copain Stéphane. Ce que je vois, c'est que notre relation, tous les deux, ça c'est très rigolo, elle a changé. C'est-à-dire qu'avant, enfin, on parle toujours tous les deux sur les mêmes. Je pense qu'on s'entend tous les deux quand on discute. Mais maintenant, ça restera mon copain de la Napurna, alors qu'avant c'était un copain du Baou. Maintenant c'est différent, tout ça a changé. On n'est lié plus par les mêmes choses. Et notre esprit de. Là, notre amitié, notre esprit solide de cordée, là, il tiendra éternellement. Mais je sais pas, c'était une super expérience. Moi, j'y suis allé 3 fois là-bas, en 2000, en 2010 et en 2013. En 2013, je voulais pas tellement retourner, en fait. J'ai dit, moi, je pense qu'on devrait faire autre chose de neuf, qu'on connaît pas, ce sera peut-être plus intéressant. Puis je me demandais si on avait une chance, quand même. Je suis parti en disant, on a une chance sur 10. Et puis finalement, cette fois-là, ça a marché. Donc, une fois sur 3. Mais c'est... En tout cas, c'est magnifique, hein. Pour moi, c'est peut-être l'ascension la plus dure que j'ai faite, même si des fois, quand je regarde un peu toutes les ascensions que j'ai faites dans l'Himalaya, c'est comme quand celle-là, elle s'est déroulée assez parfaitement, sans accroc, bon, à part 2 jours de tempête au milieu, enfin, mauvais temps, mais finalement, ça a déroulé assez bien. On va dire que dans chaque ascension qui se passe bien, on ressent moins la difficulté. Bien que Stéphane, comme je ne sais pas si vous savez, mais il s'est gelé les pieds. À la descente, il a eu tous les orteils coupés et une partie des doigts. Mais c'est dur de parler de difficultés ou d'engagement, ou de risquer sa vie, ou de dire qu'on est des fous, qu'on est des suicidaires, quand finalement on arrive à grimper une montagne et que tout se passe à peu près bien. Sauf qu'il y a eu des petits impondérables. Des petits impondérables. Alors moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans la façon dont vous racontez les règles. C'est que moi, j'étais un peu nourri parce que voilà, à l'Impurna pour les 8000, pourquoi, à mon avis, ça a eu autant d'impact? C'est parce qu'il y a une espèce de dramaturgie, de la passion, de la souffrance, d'une espèce de mise en spectacle de la souffrance, des doigts coupés, de Pierre Zoc qui, dans l'avalanche, urine, se voit mourir après. Enfin, on est vraiment dans un truc très très doloris, de souffrance. Et la Chenal, d'une façon, je pense, assez différente, mais quand même, a beaucoup souffert de ses pieds coupés et d'être handicapé pour retourner en montagne. Et j'ai l'impression que. Alors, toi, tu te rappelles de stigmates physiques, mais Stéphane qui a eu des amputations, j'ai l'impression que c'est plus du tout la même façon de traverser cette histoire. Il n'y a jamais ce culte de la douleur, c'est l'impression que c'est le truc qu'il faut. Petit péripétie. Voilà. Oui, le truc qu'il faut quand même comprendre dans ce genre d'ascension. Moi j'ai été
On a passé quand même pas mal de temps tous les deux, pour que tu prennes quelques notes sur ce que je te racontais. Mmh. Et il y a quand même quelque chose qui dépasse même ce livre, c'est d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce genre d'ascension en style alpin sur des 8000. En fait, il n'y en a pas beaucoup, hein. Quelques-unes, enfin pas quelques-unes, mais je veux dire, à l'évrée, s'il y en a une, par exemple, ou deux seulement, pour des milliers d'ascensions. Pur style alpin, enfin, c'est une pratique qu'on a un peu élaborée dans les Alpes, nos aïeux, et puis que nous, on pratique chaque été, tout le temps. Et l'engagement qu'on met dedans, alors, il y en a beaucoup qui vont apprendre pour les cingler, mais en fait, on n'est pas cinglé. On a bien étudié la chose. Sinon, je ne pourrais pas être là pour en parler. Et c'est très difficile d'arriver à faire du récit. Ça. Parce qu'en fait, les récits, bah, par exemple, Stéphane il raconte quelque chose d'un peu différent de moi sur un certain moment où c'était un peu le trouble dans notre ascension, on ne savait pas trop quoi faire. Ça, c'est normal. Et ce que j'ai compris, moi, avec cette ascension, c'est que moi, j'ai essayé de faire un récit de mon ascension, parce que j'ai écrit dans un magazine. Mais même maintenant, j'arrive toujours pas à comprendre exactement c'est quoi les tenants, les aboutissants de ce qu'on fait dans l'Himalaya. Tout ce que je sais, c'est ce que ça apporte. Ça, je le sais. Ça apporte beaucoup. C'est-à-dire que cette ascension-là, comme d'autres, mais celle-là plus particulièrement, elle m'a apporté beaucoup. Non, moi, j'ai changé. Je pense que c'est une espèce de... pas de transformation, mais réussir à grimper sur des 8000 mètres, notamment dans des voies difficiles et des... et engagées, comment dire... mais tout notre enfin c'est des instants un peu volés, je pense. Et c'est juste génial, par contre. C'est très difficile d'expliquer aux gens qu'on fait ça et qu'on n'est pas cinglé. Parce que pour tout le monde, arriver dans le sanctuaire, si vous y êtes allé, bah oui, même moi je me dis, je suis cinglé. Je ne vais pas grimper ce truc-là. Et pourtant, dans l'action, en fait, on pense plus pareil. Et c'est comme ici, hein, on peut se dire, on est cinglé de grimper la face nord de l'aiguille du Midi dans les Alpes, on est cinglé d'aller grimper la face nord de l'Aiger ou de grimper sur des montagnes, mais non. En fait, ça a du sens, je pense. Un sens qui est difficile à expliquer, mais qui provoque quelque chose chez nous, qu'on gagne. On devient des hommes augmentés, peut-être, des femmes augmentées, j'en sais rien. J'espère... On a déjà un petit peu parlé, mais que ce qu'on voit là, c'est un livre qui est en train de germer. J'adorerais ça. Parce que moi, ce que je peux raconter de l'extérieur, c'est recueillir des témoignages. Mais c'est vrai qu'on ne peut jamais être complètement fidèle. Moi, je peux pas être à votre place. Parce que moi, je pense, au fond de moi-même, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un peu cinglé. Et j'entends des gens qui me disent « non, c'est pas cinglé ». Et Henrik Lucas, qui dit des trucs carrément bizarres de temps en temps, il n'est absolument pas convaincu d'avoir fait un truc cinglé. Et ça, je pense que si vous arrivez à l'exprimer, c'est formidable, c'est de réussir à le faire. Parce que si on admet qu'on est cinglé parce qu'on fait de la montagne, c'est tellement passionnant que... C'est tellement passionnant, cette activité d'alpinisme et d'hymalaïsme. Et puis peut-être que la vie, bah, c'est de prendre des risques aussi, on peut pas rester comme ça, attendre que les choses arrivent. Non, c'est... Peut-être que finalement, oui, on est cinglé pour tout le monde, pas pour nous, c'est pour ça qu'on arrive quand même, en maîtrisant un tout petit peu le sujet, à réussir des grandes ascensions dans l'Himalaya. Je pense que tous les grimpeurs qui sont un peu aguerris, ils pensent la même chose. Il peut y avoir des coups d'éclat, comme les gars à l'Everest, là, qui ont fait le deuxième du couloir handball, ou un truc comme ça. Deux jeunes Australiens, McCartney, Snap et je sais pas qui réussissent comme ça. Sans expérience. Ça, c'est un peu des mystères. Non, que dans les années 80. Ouais. C'est un peu le milieu. Mais. La Napurna, c'est une sacrée belle montagne, quand même. C'est un sacré. C'est beau. Puis ça veut dire. Moi, j'écoutais tout à l'heure là, ce que tu disais, ce que tu as écrit sur l'importance du sacré là-bas. On le sent tout de suite. Et c'est bien. Bon, je regrette qu'il y ait des gens qui aillent faire de l'hélice-ski là-bas, par exemple, qu'ils autorisent, parce que les locaux, ils sont très à cheval là-dessus, et par contre, le gouvernement, ils s'en fichent. Ils donnent des autorisations pour aller faire de l'hélice-ski.
parce qu'ils n'ont pas mis encore en relation le sacré et les whisky. Nous, oui, dans les Alpes un peu, en tout cas en France. Et mais là-bas, pas trop. Et c'est rigolo, hein. C'est rigolo le camp de base, là, le sanctuaire, on dort au pied. Tous les gens qui viennent en trekking, qui se baladent, et qui viennent au bout, qui restent une semaine, qui se demandent en mariage. Ici, une dame qui me raconte que la fille qui est là à côté d'elle, c'est sa fille et qu'elle était faite ici. C'était assez incroyable les histoires qu'il y a, parce qu'on a passé un peu de temps au camp de base, au lodge. Parce qu'on avait un camp de base lodge. En fait, on n'avait même pas pris d'équipe, on était deux et quatre porteurs. Et Charlie, toi qui as mis les récits justement en parallèle, est-ce que tu ne crois pas que la génération d'aujourd'hui, par crainte d'héroïsation un peu excessive des récits d'antan, est dans une espèce d'euphémisation, on ne dit plus vraiment les choses? Ouais, dans le discours de Yannick, on a eu des péripéties. Quand tu sais ce qu'ils ont vécu. Oui, mais je crois qu'il y a un peu une élégance de dire. Oui, c'est ça que je soulève. Mais je crois qu'il y a un truc, moi, que j'ai ressenti en regardant les photos, parce qu'ils ont fait des magnifiques photos pendant leur ascension, et je trouve qu'elles ont un côté très paisible, en fait. Ouais. Ces photos. Voilà. Alors, celle-là, moi, j'y tiens énormément. C'est toi qui a découvert, hein, tu l'as déjà vu comme ouais. Ça. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est une photo, donc qui est une magnifique photo lumineuse. Ils sont dans la paroi au quoi, troisième jour, quatrième jour, plus cinquième jour, sixième. Et pourquoi tu la trouves paisible? Parce que je trouve qu'il y a, voilà, il fait, on sent qu'il fait pas un froid terrible. C'est pas la guerre, quoi. Ça ressemble à l'alpinisme qu'on fait dans les Alpes, qui est un peu technique. On sent que c'est un alpinisme heureux, qui sont heureux d'être là. Voilà. C'est plutôt cette ambiance qui me marque, c'est que le coup d'avant, ben voilà, il est au bivouac. Il y a quelque chose de presque paisible, mais vu de l'extérieur. Quoi. Non, mais moi j'y étais, sur cette photo c'est moi, j'étais super tranquille. Hein. Tranquille, ça me gêne pas. Un état de décompression totale. Ouais. C'est la fausse illusion du soleil de la face sud. Ouais, voilà. Ouais, mais je sais pas, René Guilligny, l'autre jour, c'est ça qu'il a eu plus froid au Mont Blanc en été que dans la façon de la Purna. Mais cette photo, elle est rigolote, parce que je sais pas si tu le mets dans ta légende, mais j'ai mis 6 mois à comprendre ça. Alors, ouais, on explique. Parce que c'est extraordinaire. J'ai grimpé, et puis j'ai dit à mon copain, ouais, à Stéphane, j'ai dit, ah, tiens, il y a un Friends. Je vois un Friends, un coinceur, dans une fissure. Continue la grimpe, je sais pas, je le répète une fois, je pensais que je... Et puis on redescend, bref, tout ce qui se passe, petit incident, et puis je lui dis après, peut-être 20 mois après, je lui dis, mais tu te rappelles que je t'ai dit ça? Et puis moi je me rappelle pas du tout que tu m'aies parlé dans Friends. Pourtant il était tout assez près, je me rappelle que j'ai parlé assez fort, je lui ai répété, je me rappelle qu'il me regardait, peut-être qu'il a rien entendu. Mais finalement, je me dis, mais peut-être que j'ai rêvé, que j'ai vu un Friends, peut-être que j'ai même pas dit ça. Et puis je laisse tomber l'histoire, et puis un jour, regardant, je me rappelais, en fait, d'où je l'avais vu, le coinceur. Et j'ai pris mon ordi, et j'ai zoomé sur la photo pour retrouver l'endroit, qui est petit comme ça. Hein. Et bim, je le vois, je me dis, mais en fait, j'ai pas rêvé. Parce que pendant un moment, je me suis dit, j'ai peut-être halluciné, j'ai peut-être vu quelque chose qui n'existe pas, et je... Peut-être même que je lui ai même pas parlé, parce que lui m'a dit, moi tu m'as rien dit, alors que je lui ai dit. Mais du coup je me suis dit, quand j'ai vu ça, je lui ai envoyé la photo, j'ai dit vas-y zoom là. Il m'a dit ah oui, j'ai dit bah tu vois que je t'ai bien dit quelque chose. Et un friend de qui? Ouais c'est ça, qui a pu le mettre? Bah forcément Bégin et Lafa, et je vois pas. C'est obligatoire, il n'y a pas eu d'autres... Non mais du coup je me suis demandé du coup, où ils étaient... Parce que Jean-Cri était remonté très haut après. Donc c'est une autre tentative, mais pas aussi haut. Non, il était sur la Bonington après. Je sais pas. Il est pas remonté. Il était à la Bonington. Je sais pas, mais je me suis dit qu'ils n'étaient pas tombés là. Déjà. Non, mais c'est ça, qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as vu ça? Tu te souviens? Non, je me suis dit, il y a un flan, c'est forcément le leur. Voilà ce que je me suis dit. Après, je me suis rien dit, j'ai pas réfléchi, j'ai grimpé. Je me suis dit, après coup, enfin, j'ai un petit peu réfléchi, peut-être au relais d'après, je me suis dit, bah, forcément, j'ai plus repensé en fait, je me rappelle plus exactement ce que j'ai pensé. Je sais que j'ai vu le Friend, je me suis dit, c'est le leur, mais ce que je pense de cette photo et de ce Friend, c'est que, bah, ils sont arrivés là déjà, à cet endroit-là, ça c'est sûr,
Et forcément, je me dis un peu, enfin Jean-Christophe, il explique bien, je pense, l'endroit où il s'en est. Hein. Dans la bande de schiste. Et là, on est un peu... Dans la bande de schiste. C'est juste un peu au-dessus de la bande de schiste. Qu'on doit voir, là, non? Non. Non, on est en dessous, là, encore. Du coup, le friend t'a pas attiré en tant que grimpeur, t'es pas dirigé vers le friend. C'était très rigolo, parce que si, au début, je voulais passer par là. En fait, j'avais vu du bas qu'il y avait vaguement un plaquage de glace, et avec Stéphane, on se disait, bon, bah, quand on arrivera à cet endroit-là, alors on va essayer de passer directement sur la rampe du dessus par là. Sauf que quand je suis arrivé, le plaquage de glace, il était détaché de ça, il était tout petit, je me suis dit, je peux pas grimper là-dedans. Mais là, il y avait leur friend. C'était un vieux phrase avec une grosse cam et tout, on le voit. C'est vrai. Ouais. Première génération. Alors peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la voix qu'ont fait Yannick et Stéphane s'appelle maintenant, je pense qu'elle va s'appeler durablement la voix Bégin Lafaille. La première tentative, c'est celle de Pierre Bégin et Jean-Christophe Lafaille en, je ne vais pas dire de bêtises, 1992. Ils montent assez haut dans la face, donc dans une espèce de grand entonnoir hein, qui est sur le, presque à l'aplomb du sommet principal. Mm-hmm. Donc c'est une voie très directe, très élégante. Et ils font demi-tour dans le mauvais temps vers 7003 apparemment. Hein. Et au début de la descente, sous les yeux de Jean-Christophe Lafaille, Pierre Bégin, il y a un friend, donc non pas celui-là, mais un friend lâche. Et Bégin tombe et meurt sous les yeux de Lafaille, qui passe 6 jours à redescendre tout seul dans des conditions absolument dantesques où il a plus de matériel. Parce que, heureusement, Bégin lui a tendu un piolet juste avant de partir. Tu le fais le récit. Oui, oui, le récit. Et dedans, ça va parler ce soir pour arriver plus vite sur votre histoire. Mais... Et donc le récit de la survie de la femme dans la passion d'impureté, c'est un moment totalement incroyable de l'histoire, où il a fini, donc au bout de 6 jours, il arrive, il avait un bras cassé par une pierre, il était totalement déshydraté, plus rien à manger, plus à boire, il avait cassé des bouts de piquets de tente pour faire des ancrages de rappel sur des côtes de 20 mètres, donc des petits rappels de 10 mètres, enfin, il était... complètement à bout, et il est arrivé, mais il s'en est sorti en fait, d'extrême justesse. Et il y a une trace de cette... Ce pourrin, c'est peut-être là où ils sont arrivés, parce qu'au-dessus, c'est dur. Ouais. C'est peut-être là. Le but de leur tentative. C'est difficile à dire. C'est quelque chose qui vous travaillait pendant l'ascension, de savoir jusqu'où ils étaient montés, et où, à un moment donné, vous êtes sorti de cette histoire. Oui. Mais comme j'étais avec Éric Lucas, qui est venu à Chamonix pour parler de l'Annapurna. Et en fait, lui, quand il a grimpé avec son copain, il n'a pas voulu demander d'informations à Guilini et McIntyre qui étaient allés l'année d'avant. Non, il disait, nous, on fait notre plan. C'est comme ça qu'on fait et on ne va pas dévier. Si, ils ont peut-être pris des informations, mais on leur disait, ah, mais vous ne prenez pas assez de pitons. Ils s'en foutaient complètement. Ils ont dit, nous, ça, c'est notre plan d'attaque. Je ne savais pas qu'ils fonctionnaient comme ça dans leur tête pour grimper, mais avec Stéphane, on aurait pu appeler Wollichtek qui avait grimpé la Napurna la semaine d'avant, qui aurait grimpé la Napurna, mais on s'est dit, non, enfin moi dans ma tête je me suis dit non, en fait ça ne sert à rien, je sais que les informations en montagne, quand on en demande, il faut les prendre avec des pincettes, alors sur un projet comme ça, on s'est dit, bon, on va faire notre sauce et puis on verra bien. D'autant plus qu'en plus, quand on est revenu, les gars du Lodge nous ont expliqué qu'ils avaient grimpé, les deux, donc Lichtek et son partenaire, parce qu'il n'était pas tout seul en fait, Don Bowie, qu'ils avaient grimpé, mais que Lichtek était allé tout seul au sommet. Donc dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, il est monté jusqu'en haut vers 7006, où c'est plus facile, et puis il a fini tout seul, et puis il a redescendu, il a récupéré son copain, et ils sont descendus. Et donc nous, on a grimpé avec cette version. C'est-à-dire que je ne l'ai pas appelé pour lui dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai laissé tomber. La version du Lodge, c'était « Ils ont grimpé tous les deux. » Wollichtek a fait le sommet tout seul, et son copain, et sans son copain. Et dans ma tête, c'était juste impensable qu'il ait pu grimper en solo. Donc, qu'ils avaient fait toute la partie, les deux tiers ensemble, ils avaient fait le dernier tiers tout seul, à peu près. Et, donc,
Moi, j'aime bien, et même ici, parfois, j'aime bien faire mon petit programme. Après, éventuellement, je demande à quelques copains si quelques infos, mais... Je viens de m'enlever sur une liste de diffusion mentale. 40 personnes qui envoient des... 50 personnes qui envoient des nouvelles et des conditions mentales. Je me dis, ça fait trop d'infos. Tu sais plus quoi faire. Je suis peut-être à l'école, je ne sais rien. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pendant le déroulement de ton ascension, Stéphane, vous n'avez pas été victime de coulées, ça purge beaucoup là-dedans ? Non. Non. Quelques chutes de pierre en bas, des petites, dans... Il n'y a pas de photo là. La photo de la face, si, il y a une photo de la face. Je vais te la retrouver. En bas, c'était une pente de neige qui monte jusqu'à 7000 mètres, où ça devient vraiment un mur de l'escalade. C'est la pente de neige. Oui, en bas, pour passer la rimée, si en fait tu me demandes s'il n'y a pas eu d'avalanche, s'il y en a eu une coulée, quand on a mis le premier piolet sur la montagne. Ça nous a un peu mis. Mais je regardais grimper, je l'assurais, j'ai dit attention, coulée, il y a une coulée. Donc vite, il est revenu 2 mètres, c'est protégé sur un surplomb, elle est passée, et puis hop, ensuite on est passé, et on était protégé un petit peu, sur une espèce d'éperon, et après, le deuxième jour, là, on grimpait à fond pour se mettre sur des petits promontoires de rochers, pour essayer d'être un peu protégé s'il y a une pierre qui tombe. Et il y a quelques pierres qui sont tombées, mais pas grand-chose. Et au bivouac, on est resté 2 jours. Là, par contre, quand j'y repense, parfois, j'ai froid dans le dos. Je me dis, parce que j'imagine qu'on aurait pu avoir des tempêtes, des chutes de neige plus abondantes, et qui dévalent toute la face et qui nous ramassent et qui nous entraînent. Ça n'a pas été le cas, mais pourtant, il a neigé beaucoup. Hein. Il a neigé... Là. La tente, la photo est petite, mais la tente est sur un petit éperon de neige. Et là, vous avez 2 jours de... 2 jours, de neige, entre 11h du matin et jusqu'à 11h du soir, des fois 12 heures de neige. Après, c'est 2 jours comme ça, où... Après, il fait beau la nuit, un peu beau le matin, et puis de nouveau à 11h, il y a des nuages qui montaient, et de nouveau de la neige. Et après cet épisode de neige, en fait, je regardais en bas, il avait neigé jusqu'à 3006 en bas. Donc je voyais le niveau de la neige, le niveau de plus neige. Et en fait, il a quand même. Des fois, je me dis, qu'est-ce qui se passe s'il avait neigé, je sais pas, plus, un petit peu plus. On se sentait protégé. Effectivement, les avalanches, elles passaient 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche, pas loin. Comme des espèces de TGV qui passent, hein, à côté de nous. On s'était caché à l'intérieur d'un éperon de neige, donc on était quand même protégé, mais il y avait quand même un bout de la tente qui dépassait. On a passé une première nuit, la deuxième nuit, le deuxième jour, on est sorti. Moi, j'ai insisté pour qu'on recreuse encore 1 mètre à l'intérieur. Mais c'était compliqué, c'était que de la glace vive. Mais maintenant, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est si j'avais des plus grosses avalanches qui partent? Parce qu'on était sur un éperon, donc comme vous savez tous, les avalanches passent sur le côté, mais parfois, on peut imaginer qu'il y a un gros truc qui part, et ça va aller tout. Des fois, quand je repense à ça, j'ai peur. Il est en train de nous démontrer qu'il a le sens du récit, là. Il a envie de faire du récit. Là, on sort de l'euphémisme. Là, il nous raconte. Non, mais c'est pas de l'euphémisme quand je dis que c'est pas une péripétie, son histoire de gelure. J'essaie pas d'amoindrir la valeur de ce qu'on fait. Non. Au contraire, c'est juste que si je devais le refaire. Si tu veux, le contrôle de la peur, c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise, j'en sais rien, mais qu'on arrive à contrôler un petit peu, quelque chose en nous. Parfois, on arrête d'avoir peur, on se fie un peu au terrain, et c'est pas d'amoindrir ce qu'on fait, mais de dire que c'est pas impossible, voilà, c'est juste ça que je veux dire. Est-ce que tu nous dis que pendant l'ascension, vous n'aviez pas peur ? Non. Ah si, là oui. Là oui, par exemple. Ou mon redescendant, en voyant l'état de mon copain, j'avais peur. Très peur. Bien sûr. Là, j'ai voulu sauver ma peau, etc. Sa peau aussi. Oui, bien sûr. T'as ces moments de peur, bien sûr, mais tout le temps. Quand tu fais un peu de temps, de pratique, les moments, c'est presque c'est au quotidien. Dès qu'on met un pied sur un glacier, au bout
toute demi-heure, un petit truc qui se passe, on se dit, là, qu'est-ce qui se passe autour. C'est pas toujours paisible, de, là, enfin voilà, du début à la fin, il y a des moments qui sont un peu... C'est normal, pour tous ceux qui pratiquent, on le sait tous. Ces jours ont lieu à quelle altitude? 7006, un peu avant 7006, je pense. Vraiment, là, on s'en aperçut qu'il commençait à avoir des gelures. On ne savait pas exactement ce que c'est, si c'était des gelures fortes ou des insensibilités. Et c'est au dernier bivouac. Alors, comment tout ça se traite? Sur place? Dans les jours qui suivent? Non, sur place, le moment. Comment? Parce qu'on l'a traité sur le moment. Parce que on s'est... En fait, c'est très rigolo. Parce que... Enfin, très rigolo. Je lui ai dit, qu'est-ce que... En fait, on était sortis du problème. Là, c'était à notre portée de réussir au sommet. Et je lui ai dit, bon, si on est sage, on devrait redescendre là, Stéphane. On est crevé, passer plus de temps. C'est comme ça, on déjure. Je ne sais pas si je lui ai dit exactement comme ça. Je lui ai dit, si on est sage, on devrait redescendre, tu sais. Et je lui dis, mais tu sais, en même temps, j'ai super envie de monter là. Et il me dit, bon, bah moi aussi. Et voilà la discussion, voilà comment ça s'est traité le problème de ces jours. Après, il y a eu tout le truc de la descente problématique où lui était fatigué. Bah, en fait, les jours, ça annonce juste un truc, c'est que t'es mal en point. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas juste la gelure qui arrive. Pardon. On est sur plusieurs jours, là. On a plusieurs jours devant soi pour la descente. Mmh. Comment on traite le problème? Bah, pas avec des médicaments. Est-ce qu'on le traite mieux qu'en 1950, au mois de juin 50? L'arbre, lui, avant qu'il... Bien sûr, parce que nous, on s'est fait... On est redescendu, tant bien que mal. On a attendu un jour, presque deux jours, à 5000 mètres, qu'un hélicoptère nous récupère. Et il nous a récupéré. Satellite. Okay. Il nous a récupéré. On est descendu au lodge, on a payé notre lodge. Il reste un mois. Nice. Payé l'addition, et hop, filé à Katmandou, et là, à hôpital, il restait deux jours, rapatriement, et puis il est rentré en France. Et après, c'est la galère pendant 4 mois. Hein. 4 mois d'hôpital quasiment, plus un an de rééducation. Donc c'est le rétablissement est beaucoup plus rapide qu'en 1950. Hein. Ça, je ne sais pas. Non, mais je pense qu'en 1950, il y a deux choses qui ont joué. C'est que d'une part, ils se sont gelés le 3 juin et ils sont rentrés en France le 17 juillet. Donc, un mois et demi, dans des conditions d'hygiène assez problématiques, dans la mousson, il faisait chaud. Donc il y a eu toute une évolution des blessures, il y a eu de la gangrène, et d'autre part, ils sont tombés sur la magnifique chirurgie des greffes qui commençait, et dont ils ont été les cobayes. Et donc on leur a fait des greffes avec le talon, le talon sur la cuisse pendant des... Enfin, le traitement lui-même a été super... douloureux, très long, et finalement pas très efficace par rapport à Berardi et ses copains qui se sont joués à la Concagua en 1954, finalement ils s'en sont remis plus vite, parce que on a laissé tomber ce qui devait tomber, ils ont été amputés, et puis on les a pas embêtés avec... Et donc il y a ça qui a joué, et puis voilà, mais surtout le temps, quoi. Le temps entre les gelures. Pardonnez-moi, mais l'hélico ne peut pas atterrir pendant plusieurs jours à 5000 mètres large. Ah, bah. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ce que je dis. Je pense que quand il y a des gelures, il y a mort imminente. Ça va vite après, très vite. C'est-à-dire que c'est pas que tu as des gelures et puis voilà. En général, c'est qu'il y a un souci qui est derrière, qui est plus grave. En l'occurrence, lui, mon copain, il avait une infection pulmonaire aussi, on ne savait pas. Mais d'après moi, ce n'est pas juste une gelure. Quand il y a la gelure, c'est déjà que tu arrives au bout du bout. Et après, ça va super vite. C'est-à-dire que là, bah, s'il n'y avait rien, s'il n'y avait pas d'hélicoptère, moi je serais redescendu chercher des gars, mais qui étaient à une journée de marche. On serait remonté. Et probablement, peut-être qu'il aurait été encore en vie, j'en sais rien, mais... Après, ça va très vite. S'il n'y avait pas eu d'hélicoptère, je pense que quelques jours, c'est terminé.
les exemples de gars qui se gèlent en Himalaya. Et enfin, c'est rare d'en retrouver des enfin, il peut y avoir des gelures, mais vite, enfin, quelques jours après, en général. Alors, j'ai une question qui m'intéresse moi, parce que j'ai commencé cette histoire en essayant de rabouter des témoignages sur l'expédition de 1950, qui était soi-disant très connue, mais en fait, en regardant de près, on voit qu'il y a des perceptions extrêmement différentes d'une personnalité à l'autre. Est-ce que Stéphane a une perception différente de toi, de ce moment de gravité? Apparemment, non. Mais apparemment, non. Mais moi, enfin, évidemment que c'était très grave. Lui, je pense qu'il en est conscient, bien sûr. On en parlera un jour où je lui dirai, bon, bah alors, tu penses pas que je t'ai sauvé la vie, peut-être? Et il me dira, ah bah oui, tu m'as sauvé la vie. Mais à la rigueur, je m'en fiche. C'est tellement naturel quand on est dans une cordée avec un copain de qui plus est, que je connais depuis 30 ans. Normal, mais bien sûr que je pense qu'il est conscient de la gravité du truc. Tu racontes à un moment donné, Yannick, que tu t'es posé la question de savoir si tu partais tout seul, tu l'abandonnais, tu n'as pas un témoignage autour de ça? Si, j'ai hésité, enfin, c'est pas que j'ai hésité, c'est que je lui ai dit, si tu fais pas comme je te dis, enfin, en fait, il m'a proposé à un moment un espèce de truc, en redescendant, vers 6700 mètres, il me dit « Ah, mais il va faire nuit, viens, on s'arrête. » On refait un bivouac dans un endroit super raide, on ne pouvait pas mettre la tente, on avait déjà froid. Et je lui dis « Il commence à me parler de ce truc-là. » On fait rappel. Je lui dis « Non, mais arrête. » Et puis, il insiste. Au bout d'un moment, il n'était pas nuit, c'était juste avant la nuit, je lui dis « Écoute, c'est simple. Si on reste là, et que demain matin, tu repars, tu es trop fatigué pour repartir, je m'en vais. Et j'ai pas envie de redescendre sans toi. Donc, on s'arrête pas. C'était radical, et par contre, après, j'étais presque devenu super agressif avec lui. Je le laissais pas respirer. Hein. Enfin, je n'ai pas switché dans un mode. Ça m'était jamais arrivé par contre. C'est il y a Kalana Purna que ça m'est arrivé. J'ai switché dans un mode où j'étais dans la survie, et pas dans la. Je faisais des trucs automatiques. Peut-être un peu pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il faut être cinglé pour la campagne? Moi, je pense que non, en fait. Enfin, c'est tout le contraire, en fait, je pense. Montagnard, c'est justement pas être cinglé. Mais la question, c'est plus comment vous gérez ce rapport à la mort, à l'extrême douleur, l'extrême violence, du contexte. Et je sais pas. Parce que... Je sais pas. Ça ressemble un peu entre un cimetière, les deux TGV qui passent. Mais je pense que si je pèse tous les éléments de cette ascension, les risques qu'on a pris, en fait, je continue à penser que ça vaut le coup. Je parle pas des gelures, hein, de ce qui s'est passé pour Stéphane, des gelures. Je préférais qu'on rentre sain et sauf. Sain. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème, parce que le respect de l'intégrité physique, c'est quand même la base de notre activité. On ne peut pas monter, hop, se casser le bras, hop, faire une autre ascension ici et se tordre la cheville, enfin, ça ne marche pas comme ça. Il faut garder, enfin, c'est très important d'être, que physiquement on soit fatigué, ok, mais qu'il n'y ait pas de problème majeur. Quoi. Et donc à partir du moment, si on était revenu sans problème majeur, donc sans gelure, d'abord, je pense qu'il y a plein de gens qui me diraient, bah, finalement, vous n'êtes pas si cinglé. Je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est quand même des expériences assez extraordinaires qui méritent d'être vécues malgré le risque qu'on prend. Ça, c'est quelque chose que... Et j'ai posé la question à Stéphane aussi, hein, donc je développe dans le livre, et j'ai été très surpris de sa réponse. Moi, j'ai cherché à faire un rapport qui semblera peut-être un peu gros, mais la première ascension, Herzog revient avec des gelures et des amputations, et votre ascension, Stéphane revient avec des gelures. Est-ce qu'il le vit de la même façon? Eh bien, moi, je m'attendais à pas du tout, ça n'a rien à voir. Et en fait, Stéphane, il m'a dit...
dire, de la passion dans ce qu'on fait. Il y a de la passion, et la passion, c'est de la douleur, il faut accepter ça. Et il a un discours qui, pour moi, était très surprenant par rapport à Herzog, de dire, mais voilà, je vis, ça fait aussi partie de ma vision de la montagne, ce truc que moi, je trouvais, cette vision doloriste, en sens presque masochiste. Quoi. Mais Stéphane, il aime. Et Stéphane, à la fois, j'ai trouvé très serein par rapport à ce qui lui était arrivé, disant, bon voilà, j'ai repris l'escalade avec mon fils, voilà comment j'ai fait, maintenant ça va, je regrimpe, enfin, très. La vie continue. Il est cartésien dans ses explications, Stéphane, quand il en parle. Ouais, pour rien dire, mais c'est très bien lissé, il n'y a rien qui dépasse, c'est nickel, il a son argumentation et tout va bien. Et moi je le connais très très bien, ça fait 20 ans que je grimpe avec lui, j'ai fait plein de. 30 ans, j'ai fait plein de grimpes partout, tout. Dans l'Himalaya, pas beaucoup finalement, mais lui de son côté, moi du mien, mais par contre je l'ai repris. Il me dit, quand il me dit un jour, j'en étais à Katmandou, dans notre chambre d'hôtel, et qu'il me dit, pour moi, parce que je lui explique que 2 ans avant, c'était en 2010, la première fois qu'on était à la Jura tous les deux, il me dit, on était dans notre chambre d'hôtel, on allait partir pour grimper la face sud de la Napurna, essayer en tout cas, notre tentative en 2010, hein. Et puis je lui dis, mais tu sais, je lui parle du Nupsé, où il a grimpé le Nupsé il y a 2 ans avec un copain, ils ont ouvert une voie dans la face sud du Nupsé, un satellite de l'Everest. Et je lui dis, mais putain, vous êtes arrêté à 70 mètres du sommet, donc je commence à creuser un peu. Il me dit, oui, mais on s'est arrêté, mais il faisait froid, c'était la nuit. Patrice, il m'a dit de redescendre, sinon moi je voulais bien monter. Je lui dis, mais tu crois pas que t'es revenu, t'avais des insensibilités, tu crois pas qu'il a bien fait, Patrice, de faire demi-tour, de te forcer à faire demi-tour? Il me dit, ah, pour moi, c'est à la vie, à la mort. Ah, je lui dis, alors je vais t'expliquer tout de suite. Là, demain, on prend le bus pour la Katmandou, à Pokhara. Moi, ça marche pas comme ça. Parce que si on grimpe ensemble, il y a une marge qu'on doit respecter. Si on ne se donne pas de marge, ça va pas. Moi, je grimpe pas dans cet état d'esprit. C'est pas possible. Et je sais qu'il est comme ça, Stéphane. Je sais que lui, il est capable de pousser. Il a vachement envie de réussir. Pour lui, la réussite, c'est quelque chose de super important. Et peut-être que si j'avais pas été cool, j'aurais fait demi-tour. Est-ce que tu le racontes presque dans les mêmes termes que la conversation que tu as eue avec Willy le dernier jour, parce que donc je termine le livre sur le témoignage de Yannick qui a été le témoin le plus proche de la mort de Willy Schleck, donc ce qui fait partie de ces espèces de hasards incroyables, quoi, où vous suivez à la Annapurna et vous vous retrouvez à l'Everest, à l'endroit où Willy a failli se faire lapider par les Sherpas 4 ans avant. Et vous vous retrouvez, vous avez failli partir ensemble dans cette dernière ascension d'Ouli. Ouais, mais lui, c'est pas. C'est de connaissance, j'ai jamais grimpé avec lui. Les quelques pas que j'ai fait avec lui, avec des crampons, bah, c'était là, c'est le reste, le jour avant qu'il se tue. C'était. On s'est retrouvé là-bas au camp de base, lui il avait un grand projet de faire une arête, moi je savais pas trop ce que je voulais faire, j'étais tout seul avec des copains, je voulais grimper l'Everest sans oc, je disais pour moi ça me suffisait, mais bon pourquoi pas si j'étais super en forme, tenter peut-être que l'arête ouest, mais bref on s'est fait recadrer par les Sherpas, comme quoi moi il fallait surtout pas que je sorte la ligne de la corde fixe. Et donc d'être allé avec Willy Schleck, parce que je lui ai proposé, et il m'a proposé qu'on fasse un petit bout de grimpe ensemble pour aller au pied du Nupsé, quand les Sherpas ils m'ont... Quand je suis revenu au camp et qu'ils m'ont dit, mais pourquoi t'es allé là-bas, là, pourquoi t'as marché 2 heures sur le glacier là, en direction du Nupsé? Je dis parce qu'on voulait se balader, tout ça. Sauf qu'en marchant 2 heures et qu'on était à le pied du Nupsé, on s'est dit, bah demain on revient. Sauf que lui, il avait le permis pour le Nupsé, pas moi. Bon, évidemment, le Sherpa nous emmerde. Il était agressif, Willy, il a eu peur. Il a eu peur parce que 2 ans avant, il s'était fait tabasser et tout. Donc il lui a dit non, mais vous inquiétez pas, de toute façon, s'il n'a pas le permis, il grimpera pas, moi j'irai tout seul. Voilà, ça, c'était le truc. Mais avec Willy, je sais pas, parce que moi je voulais lui parler de cette histoire de Annapurna, parce que Charlie il l'a pas évoqué là, mais c'est rien de son truc. Mystère. Hein. Et pour toi, c'était pas réglé quand vous vous retrouvez à. Et moi je lui ai dit que j'avais bien réfléchi. Et que j'avais que les choses étaient devenues claires pour moi, dans le sens où eh ben, j'avais des doutes. Avant, j'en avais pas. Là, je lui dis, j'ai bien réfléchi. Je pense que maintenant, j'ai l'esprit clair là-dessus. Si je t'ai pas parlé depuis longtemps, parce que d'habitude, je lui parlais chaque mois,
une fille. Là, je lui parlais plus. Depuis un an, je lui parlais plus parce que j'avais compris que peut-être il avait raconté des bêtises. En tout cas, moi, j'avais participé à une soirée où d'avoir participé à ce qui est peut-être un mensonge. Ah, putain, ça m'a laissé amer. Et c'est peut-être pas un mensonge. En fait, on n'en sait rien. Mais c'est ce que je reproche à l'alpinisme, comment dire, commercial, sponsorisé, j'en sais rien, je sais pas comment expliquer. Mais oui, on se doit de donner des preuves de ce qu'on fait. Et des preuves écrites, des preuves orales, des preuves, ce qu'on veut. Mais c'est important. Et Oli, là, à part ce qu'il disait, à part sa parole, il n'avait pas de preuves. Et c'est en ayant lu un rapport d'une ascension qu'il avait fait avant, au Shishapangma, 2 ans avant, où, quand on lit, il parle avec un journaliste, un journaliste enquêteur, et il parle avec ce journaliste, et j'échange 14 pages. Le journaliste fait des analyses de ce qu'il lui répond, il lui repose des questions, etc. Et quand tu lis ça, tu te dis, c'est pas vrai. 2 ans avant, au Shishapangma. Et donc, je me dis, s'il n'a pas réussi le Shishapangma, comment il peut avoir réussi la Napurna? C'est-à-dire que moi, je me suis même imaginé les mensonges qu'il avait pu expliquer dans la Napurna. Donc, c'était compliqué de retrouver Ulishtek quelques jours avant et d'aller le voir dans sa tente. Je suis allé le voir, je ne me suis pas dit, bon, on va avoir une discussion sur la table. Non, ce n'était pas le but. Lui, il était là pour grimper l'Everest, moi aussi. Le truc principal, c'était la montagne. Le reste, on en parlerait plus tard. Et donc voilà, donc je lui ai dit, bon voilà, qu'est-ce que tu veux grimper? On a parlé de l'Everest, de ce qu'il y avait devant nous, pas de ce qu'il y avait derrière. Et c'est ce que je voulais lui dire. Dans ma tête, j'avais réfléchi, j'avais dit, écoute, moi je m'en fous, j'ai des doutes, oui, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Et par contre, voilà, je ne remets pas en cause le fait que peut-être qu'on peut quand même grimper ensemble. Ça ne va pas ne plus être un ami ou quoi que ce soit. C'était pas grave. C'était pas, comment dire. C'était clair dans ma tête qu'il n'avait peut-être pas fait. Et donc, lui, je lui dirai. Dès que j'en aurai l'occasion, si j'en avais eu. À la première occasion, je lui aurais dit, voilà, Oli, voilà ce que j'ai lu sur Chicha, ce que je vous dis. Voilà ce que j'ai lu sur Shishapangma. Du coup, je doute sur un Annapurna. Voilà. Qu'il sache ce que je pense. Mais tu crois pas qu'il le savait? Et oui, je pense qu'il le savait. Mais ça n'empêche que moi, je lui aurais parlé de ça. Bien sûr. Je n'aurais pas laissé la chose. Peut-être pas à ce moment-là, mais si à un moment on s'était retrouvés tous les deux en train de grimper dans une tente, non, j'aurais dit, bon alors. Enfin. Peut-être pas dans le feu d'action, mais j'en aurais parlé. J'aurais dit, bah vas-y, si tu l'as pas fait, dis-le. C'est mieux. Ou il ne faut pas raconter. Je sais pas comment j'aurais tourné le truc, mais j'aurais fait part quand même de mes doutes. Et malheureusement, il est mort le lendemain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre dernière conversation, il y avait discussion sur l'ascension que vous envisagiez le lendemain. Tu m'en as parlé pratiquement dans les mêmes termes que quand tu parlais de Stéphane tout à l'heure, en disant... Il y a un moment, moi, j'y vais pas, quoi, comme ça. Non, parce que quand on s'est vu, on est allé à l'arrimée du Nupsé, qui est à 2 heures de marche du camp de l'Everest. On est allé à l'arrimée du Nupsé, on est rentré, on s'est dit, allez, demain, on essaye. Hein. J'ai laissé ma paire de pieds toute neuve, hein, qui traîne toujours là-bas. Et il me dit, ouais, alors on prend une petite corde, on va vite, demain on part tôt, bim, bim, bim. Je dis, attends, quand même, c'est à 7008 là-haut. Prendre un tout petit peu de marge, moi j'ai besoin d'avoir 2 cordes pour descendre en rappel, 3 broches, quelques points d'assurance, voilà. Je veux bien qu'on parte léger, je veux bien qu'on essaie de le faire dans une journée, qu'on prenne pas de tente. Par contre, un peu de matos, ça me paraît pas du superflu. Il me dit oui, mais moi, vraiment la désescalade c'est facile et tout. Prends les cordes. Il m'a dit ok, c'est bon, ça va, on prend ce que tu veux. Moi c'était ma condition. Mais malheureusement, je vous dis, le lendemain, c'est assez bizarre, parce qu'on est rentré à midi, la veille donc, de sa mort. On a déjeuné ensemble, il a déjeuné avec nous dans notre cuisine, parce qu'il n'avait pas vraiment de staff, lui, de cuisinier. Et il a mangé avec nous. Et puis, bon, les Sherpas nous ont emmerdés, ils m'ont dit, tu n'as pas le droit de grimper, etc. Donc,
on a dit écoute, on en reparle plus tard. Moi, j'étais là, je me suis dit bon, j'aimerais bien prendre le permis, mais il fallait que j'appelle Katmandou, que je paye encore 1000 balles. Je ne voulais pas sur l'or. Lui, il m'a dit mais moi, j'ai des sous en bas. J'ai dit bon, ok, d'accord. On va se reposer là. On fait le point en fin d'après-midi. Puis moi, dans l'après-midi, je me suis dit non, attends, d'abord, on va redescendre au camp de base. On va appeler, on va prendre le permis, on va remonter dans quelques. Enfin voilà, ça, on ne va pas faire tout à 100 à l'heure. Quoi. Peut-être c'est mieux. Donc du coup, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah. En fait, on ne s'est pas revus l'après-midi. On devait se revoir, on ne s'est pas revus. Parce que moi, je dormais dans ma tente, en fait, tout simplement. Et puis, j'étais avec un copain Ferran, là, la Torre, et puis on discute de choses et d'autres. Et puis, je ne suis pas allé le chercher dans sa tente. Il avait vaguement soumis l'idée qu'il irait peut-être tout seul. Je me suis dit, s'il veut me voir et qu'il veut qu'on grimpe ensemble, ben alors on va se mettre au point tous les deux. Je lui aurais dit, ben voilà, ben le permis, il faut qu'on le prenne. Ben alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on aurait presque pu prendre le téléphone satellite et appeler, et le faire ensemble. Et puis, ben, je ne l'ai jamais revu, j'ai appris sa mort le lendemain à 11h. Pouf. Mais ça ne m'a pas fait grand-chose sur le coup. Parfois, maintenant, j'y repense un peu plus. Des fois, je me dis, merde, quand même. Je ne remets pas ça sur le dos des Sherpas et de leur permis de débile. Hein, mais n'empêche que si on avait été deux, ils seraient sur mon corps là. Mais. Il est sorti seul. Est-ce qu'il avait vraiment envie de partir à deux? Ça, c'est une bonne question. Ah. Bah, manifestement non, sinon il aurait attendu. C'est un motif qui s'est reproduit plusieurs fois dans son. C'est sa manière de faire. C'est comme ça qu'il est parti seul dans la Purna. Il avait un compagnon qui laisse tomber. Et c'est quasiment tous ses solos. Hein. Enfin, en Himalaya. Des moments où il dit le compagnon n'est pas là, pas au niveau. Il part à deux, mais il arrive en haut tout seul. Voilà. Il part à deux jusqu'à l'arrimée. Mmh. S'il est parti, c'est qu'en fait, il s'en foutait et il se sentait prêt à le faire tout seul. Ça c'est sûr. Et toi, t'étais déjà acclimaté ou tu as un décalage? Je pense qu'on était acclimaté pareil, à peu près. Sauf que lui, manifestement, il était plus rapide que moi. Il était vivant. C'était un alpiniste qui était assez rapide, entraîné. Il m'a fait tout un truc au camp de base, sur l'alimentation, les trucs, machin. On discutait de notre entraînement. Moi, je disais, moi, tu comprends, je marche, mais j'avance. Je pense que je suis pas tellement lent, mais quand même, voilà. On parlait un peu de notre manière de grimper, la vitesse, à quelle vitesse on grimpait, combien de mètres par heure, des trucs cons. On se parlait de. Et puis je lui disais, mais moi je suis pas si rapide, j'arrive à faire 150 mètres par heure, je suis même. Et avec l'acclimatation qu'on a maintenant, parce que moi j'ai déjà 2 ou 3 nuits à 6005, c'est peut-être possible qu'on réussisse, mais il y a un facteur, il y a peut-être une chance que finalement on n'y arrive pas, donc voilà, il faut comprendre que peut-être. C'est pour ça que j'insistais qu'on ait un peu de matériel et tout. Je pense qu'on était sensiblement pareil en acclimatation. Parce que lui, en fait, il montait, et des fois, il montait et redescendait. Il faisait une sorte d'acclimatation un peu bizarre. Il restait pas. Il avait autant de nuits que moi, à 6500 mètres, quand on a décidé de faire un peu ensemble. Donc, j'en ai déduit qu'on avait à peu près la même acclimatation.